Salut tout le monde, c'est Dofy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc de retour sur notre jeu de cartes que je vous avais présenté il y a 4 semaines je crois maintenant, enfin 3 ou 4 semaines. J'avais fait une vidéo dessus. Et du coup j'ai fait quelques cartes entre-temps. Donc c'est vrai que j'avance pas énormément sur le projet, mais je fais quand même quelques cartes par-ci par-là. Voilà, et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc déjà, au niveau du système de jeu, on va dire, alors là, vous voyez qu'on a des cartes avec des noms. Donc là, c'est plutôt du My Hero Academia. Mais en fait, là, j'ai juste noté les noms, et pour le reste, c'est pas du tout en rapport avec les persos, mais c'est plus en rapport avec d'autres persos. Donc voilà. Par exemple, Momo, elle n'aura pas assez de PV. Enfin voilà, j'ai pas encore fait les trucs. Vous avez compris. Bref, donc du coup, voilà pour les tableaux des comptes. Donc vous voyez que je commence à en faire pas mal. Il va falloir que je fasse un peu plus de jaune quand même et de violet aussi. Et aussi là, j'ai fait un petit plateau de jeu. Donc pour l'instant, c'est provisoire, hein, c'est vite fait. Il n'y a pas vraiment de. Voilà, je sais pas encore designé et tout, on va dire. Donc en fait, pour expliquer un petit peu les nouveautés, en gros, je me suis dit pourquoi pas faire une pioche au milieu. Donc peut-être que ça va pas être gardé, hein. Voilà, pourquoi pas faire une pioche ici. Et en fait, on a trois cartes chacun au début du jeu. Et en fait, on les a dans la main, tout simplement. Et en fait, en fonction des points qu'on a au-dessus, par exemple. Lui, Kaguya, il coûte 3 points. Et ben, on pourrait jouer au troisième tour. Donc, du coup, premier tour, on a 1 point, deuxième tour, etc. Et au bout de 10 tours, on a 10 points. Et après, au-delà des 10 tours, on aura quand même toujours 10 points. Parce que de toute façon, aucune carte coûte plus que 9. Donc voilà. Et du coup, c'est-à-dire, enfin, ça veut dire qu'en gros, au fur et à mesure du temps, parce que. À chaque tour, on pioche aussi une carte. Et ben, on va commencer à avoir pas mal de cartes dans la main et tout, et on va pouvoir utiliser en fait des cartes sur ce plateau-là. Donc, on va devoir dépenser les points, etc. Et en fait, du coup, ça veut dire que au fur et à mesure du temps, il y aura plusieurs cartes ici, et pareil pour l'adversaire, il y aura plusieurs cartes ici. Et du coup, en gros, ça va être quand ça va être à notre tour, on va faire attaquer notre première carte qui va être là à peu près. Notre deuxième ici, notre troisième, etc. Donc, on va dire qu'on pourra mettre 4 ou 5 cartes à la fois. Ce qui veut dire que ça va donner un jeu assez stratégique. Et dès qu'on perd une carte, dès qu'elle se fait tuer, et ben elle part on va dire dans les récompenses de l'adversaire ici. Et on peut dire par exemple que si l'adversaire vous met KO 10 cartes, et ben du coup il a gagné. Voilà, on peut dire, on peut mettre un peu plus, truc comme ça. Donc voilà un petit peu pour le mode de jeu que je suis en train de préparer. Pour l'instant, ça me paraît pas mal. Donc ça me paraît plutôt bien à voir s'il y a des changements à faire et tout. Et au niveau des nouvelles cartes, je vais vous les présenter. Donc pour la première page, donc ça je vous l'avais déjà montré, je crois. Ça aussi. Ça je crois que je vous l'ai déjà montré aussi. Voilà. Mais bon, si jamais je vous le montre quand même, donc en gros j'ai fait voilà, les personnages principaux de Demon Slayer, tout simplement, avec quelques personnages, quelques démons et tout. Donc voilà, et du coup, ça je crois que je ne voulais pas montrer par contre. Donc voilà, encore du Demon Slayer, hein, c'est des personnages que j'avais oubliés, on va dire. Donc voilà. Et du coup, avec ces 4 pages, j'ai arrêté de faire des cartes Demon Slayer pour l'instant, parce que je me suis dit que ça pouvait être déjà pas mal.
Et du coup, là, j'ai commencé avec My Hero Academia. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu les cartes de My Hero Academia, du coup. Avec le personnage principal en rang A, hein, toujours. Parce que je me dis que comme ça, au moins, je vais pouvoir faire les autres personnages en fonction du perso principal, quoi. Voilà. Donc Shoto et Katsuki, je les ai mis en A aussi parce que ils ont à peu près le même niveau que Midoriya. Après, voilà, il y en a, ils sont un peu plus forts et tout. Mais on va dire que ils sont à peu près dans le même sac. Après, là, on a des héros pro du coup en rang S, avec Togata aussi, que j'ai mis en S. Voilà. Et puis enfin, cette dernière page. Voilà. Donc là, vous avez vu que j'ai fait plus de bleu et de vert. Parce qu'à ce moment-là, je manquais un petit peu de vert et de bleu. Mais là, il va falloir que je fasse un peu plus de jaune maintenant. Donc voilà, tout simplement. Je pense que tous les 3 ou 4 pages, peut-être, que je ferai, j'en ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu les nouvelles cartes. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que, bah, à part le plateau de jeu et les 3. Ouais, les 3 nouvelles pages. Bah, je pense que c'est tout, il n'y a pas grand-chose à montrer. J'ai rien fait d'autre. Ouais, donc voilà quoi. Bref, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer de continuer les jeux de cartes parce que là, j'ai très très peu de temps. Mais bon, maintenant que c'est les vacances, parce que pour moi, c'est les vacances depuis le 9 juin. Bah du coup, j'aurai un peu plus de temps. Donc du coup, je vais essayer d'avancer un peu plus. Voilà, du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.